Anna. Anna, moi tété. Moi travaille avec toi. Tété. Laisse. Et moi tété. Laisse ça. Ok. C'est quoi avec toi? Moi garde toi. Moi garde toi. J'ai gâté. Ça sort d'où? T'as vu ça? Ah, bouffe. Elle a mordu ça. Elle le fait à brûler. La moto m'a jeté au sol. Elle a jeté toi à terre. Tu as même pas de patience. Tonton, c'est Cathy. Je suis venu te porter plainte. Me porter plainte pourquoi? Écoute, méchant. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunidor, créateur de la Zorbato de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont repandu le mal sur terre. Racherba kakakakaka. Feu! Double feu! Instrumental! Conga, Conga! Kalesa, où sont passés les guitaristes? Engo Solo, reste-moi la guitare! Lave ça bien. Moi, elle lave et j'en cherche. Et tu as donné un peu d'arco. Hé, tonton. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, moi, elle lave les assiettes. Et moi, elle lave les assiettes. Depuis quand l'homme lave les assiettes? Hé, moi, elle lave bien assiettes. Elle va me acheter un peu d'arco. Mais c'est tranquille. Ça, c'est le travail de femme. Toi, tu es un coq. Moi, tu dois chanter. Moi, quoi, elle connaît chanter. Tu es un coq, tu dois chanter. Chanté. Laisse ça là-bas. Laisse ça là-bas. Hein? Gono! 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 Tantin, tantin. Il y a quoi? Tantin. Depuis quand Koucha lave les assiettes dans cette maison? Toi, j'étais moi à Bélia Kono. Il ne lave pas les assiettes qui va laver. Ce sont les femmes qui lavent les assiettes. Le travail des hommes, c'est porter le charbon, aller puiser de l'eau, ramasser le bois, acheter le gaz. Toi, tu es un coq. Tu es un coq. Donc, tu crois que je vais m'occuper de la maison, m'occuper des enfants et m'occuper de toi qui es toujours ivre et laver encore les assiettes? Jamais. Alors, passe me laver les assiettes. Je ne lave pas. Je ne dois plus voir Koucha laver les assiettes dans la maison aussi. Si Koucha ne lave pas les assiettes, j'irai au village chercher ma petite sœur et elle viendra le faire. Tu fais venir ta petite sœur ici. Moi-même, je fais venir un membre de ma famille. Koucha est déjà un membre de ta famille. Donc, c'est à moi d'amener un membre de ma famille dans cette maison maintenant. C'est quelqu'un là-bas? Ce n'est pas quelqu'un. Mais tu sais seulement défendre qu'il ne doit pas laver les assiettes. Elle me tape son mari. Les gens racontent partout que je suis soulard. Comme si moi je buvais avec leur agent. Il est toujours ivre. Est-ce que je ne connais pas la route de chez moi? C'est quelqu'un qui m'a amené jusqu'ici. Et
voilà la plus belle femme du monde. C'est moi qui ai fait le choix. Je suis allé la doter avec mon argent. Un Soula qui a une belle femme. Regarde comment elle est belle. Elle est formée comme une guitare. Oui, la guitare. Maman, je vais te dire quelque chose. Tu sais, si les Jeux Olympiques de la beauté mondiale existaient, ouais, c'est que je suis un homme riche. Ouais, riche. Parce que tu devais me rapporter la médaille d'or chaque année. Chaque année. Je meurs d'envie. Je meurs d'envie. D'envie. Fais-moi câlin. Fais-moi bisous. Tonton. Tonton. Hey. Tonton. Scotty. Scotty est dormi. Je est venu dormir. Et dors. Scotty. Tu dors. Tonton. Est-ce que tu as un gros ventre? Est-ce que tu. Tu es mort? Tu es mort? Scotty. Est-ce que tu es mort? Tu es mort. Tanti. Tanti. Tu étais où? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Ça va? Ah bien non. Pourquoi? Hier là, toujours là. Oui. Tu as dormi. Après tu es mort. Je suis mort comment? Tu es mort. Moi, elle est venue à toucher toi, à ton temps, elle est mort. Moi, elle courait partout, elle appelait Tanti. Tanti est venue apporter l'eau à cette. L'eau a cette la moi lavée. Elle est venue, elle verse sur toi. Donc je comprends, mais vous avez versé de l'eau sur moi. Faut dire à ta soi-disant tante là que chaque match se joue en aller-retour. Et le retour là, je vais vous travailler. Attends. Moi appelle le téléphone. Moi appelle la femme de moi. La femme. Attends. Parlant de ta femme, j'ai vu une fille ici l'autre jour, elle me dit qu'elle se plaint de toi. Hey! La femme de moi, Anna non. Ma femme, moi, a amené Anna au village, a monté à gamin. Moi, Anna, a fait bébé, a mettre ton homonyme. Mais attends, celle-ci, elle fait rien. Il l'aime pas. Moi, je l'aime pas. Mais elle m'a dit qu'elle donnait un béni à l'écho chaque fois. Béni à l'écho. Donnez-moi un béni à l'écho. Mais moi, elle l'aime pas. Elle l'aime pas. Sonnez pas. Mais attends, c'est qui Koucha? Il n'est pas ici.
C'est qui? Un malade. N'entre pas ici. Tu es qui pour bloquer les gens qui vont entrer chez moi? Qu'est-ce que tu n'entres pas ici? Qui de là? Ça va, Nanou? Ça va, tonton, c'est Cathy. Ça va? Je suis venu quand tu as dit l'autre jour, non? Je t'avais dit que tu devais causer avec Kucha et t'appeler, non? Je suis venu. Ah, je n'ai pas encore causé avec lui, d'accord. Mais dès que je cause avec lui, je t'appelle. Ça, c'est son paquet. Ah, donc tu lui as porté un cadeau? Venez, Arico. Ok, dès que je cause avec lui, je t'appelle, tu comprends? Tu as le téléphone? Ah. Ok, dès que je cause avec lui, je t'appelle. Bye. Oh, bye. Kucha, Kucha, elle est partie. Hein? Quoi? C'est ton paquet qu'elle a donné. Ok. Ta femme. Moi, elle l'aime pas. Là, le bien Arico qu'elle t'a apporté. Eh, bien Arico. Oui. Regarde-moi. Non, pas. Eh. Tu refuses de l'aimer, mais tu veux que c'est bien Arico. Eh, pas que moi. Eh, ce que tu veux. Eh, bien Arico. Ah, moi, je suis bien Arico. Allô, maman. Bonsoir, comment tu vas? Moi, je vais bien. Ah, ton rhumatisme là encore. Je trouve plus préférable que tu montes en ville. Ici, il n'y a plus de spécialistes. Oui. Demander à mon mari. Non. Tu peux venir quand tu veux. Cette maison est aussi la mienne. Je suggère même que tu prennes le premier bus. Ok. Comment va papa? Oui, salue-le de ma part. Ok, maman, quand tu vas arriver, je vais te restituer ton agent de transport. D'accord. Tu fais bon voyage alors. Ok. Bonjour Mimi, c'est comment? Je suis là, Elisite. Mais tu te fais rare comme le billet de 11 000. Maman, je suis là où? Le travail. Le travail va seulement me tuer. Le travail dépasse déjà l'argent. J'étais en stage à l'étranger. Et donc, je suis rentrée avant-hier. Oui, comme je disais, je te cherchais parce que j'ai une amie qui souffre énormément dans son foyer. Elle arrive à un stade, si on ne la tient pas vraiment, elle peut faire une dépression. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est un problème de couple en fait. Son mari la dérange beaucoup. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Elle est décidée, elle est sur le point de partir. Et je n'aimerais pas que ça arrive à ce point, s'il te plaît. Tu sais que je suis conseillère matrimoniale, donc ça relève de mon domaine. Tout à fait, voilà pourquoi je te cherchais. S'il te plaît, je peux l'amener là au bureau quand? Non, 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 ne l'amène pas au bureau. Tu sais, à ce stade, l'on peut encore arranger à la maison. Hein? Il faut que je vienne chez elle. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut solutionner ça. Donc, prends rendez-vous avec elle et tu m'amènes là-bas. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi. Au téléphone. Mon pantalon, c'est moi. Je peux avoir le contenu de mon pantalon, madame? C'est sur la table. C'est pas complet.
Je veux le contenu complet de mon pantalon. J'ai tout laissé sur la table. Ce sont les factures de biens qui sont là sur la table. Où est passé l'argent qui était à l'intérieur? Sikati, si tu allais boire, on t'a soutiré. Ne viens pas me traiter de voleuse. Oh là là, Adam me traite maintenant de cela. Toi, tu veux me traiter de cela, hein? Tu vis dans une belle maison avec le soula. Tu dors sur ton lit avec le soula. Hé, tu sais quoi? Je peux avoir le contenu complet de mon pantalon. Sikati, j'ai pris pour garder. On a chassé les enfants de l'école. J'ai dit, hein, madame? Selon les pédagogies modernes, donc pédagogiquement parlant, est-ce que, amoureusement, une femme doit fouiller le pantalon d'un homme? Hein? Remets-moi le contenu complet de ce pantalon. Tikati, laisse-moi aller au marché. Madame, donne-moi mon argent. Laisse-moi. Oui, tente. Même le marché, c'est toi qui iras faire ça. Fouilleuse de pantalon du mari. Voleuse. Une fouilleuse de pantalon du mari comme ça. C'est mon argent.